C'est une propriété privée, donc on va faire ce qu'on fera descendre. Je l'avais. Incroyable. Comment ça va le vlog? On se retrouve pour une nouvelle vidéo iconique. Cette fois-ci, à la fontaine de Guérouse. Bah écoute, on fait des petites balades, c'est ça le vlog aussi, c'est des petites balades. Mec, j'ai vu, il y a un bunker là-bas, on va aller voir ça. Incroyable. Est-ce que tu vois ce que je vois? Petit bunker là-bas? On n'est pas chez des gens du coup? Spoiler, si. Je sais pas, on est peut-être chez des gens. C'est beau, je sais pas si c'est beau. C'est fou. Tout ce béton là. Ouais. Et c'est l'air d'être une bâtisse derrière. Go. En gros. Quoi? Il y a des portes et tout. Ouais. Oh mec, t'as vu ou pas? C'est n'importe qu'on fait la guerre ça. Vas-y, je continue. Vas-y, moi je te rends. Chauve-souris. Chauve-souris. Oh, j'ai flippé ma race. Oh. Et t'es passé au-dessus? Ouais, c'est pareil. Ah, y'a une fat araignée là-haut. C'est-à-dire qu'à la base, je voulais voir une fontaine, quoi. Je ferai gaffe si quelqu'un met les flics, quoi. Je sais pas si c'est alimenté ou pas. C'est une propriété privée, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. C'est fou, mec. Ouais, ça a été bloqué par la terre. Quoi? Ça a été bloqué par la terre. Mais je pense qu'il y a moyen que ça, ça allait loin, tu vois. Ah bah, je pense, ouais. Incroyable. C'était tellement impressionnant vu de l'extérieur. Mec, c'est massif. C'était vraiment plus fort que nous, fallait qu'on aille voir quoi. Ah bah de ouf, bah de ouf. C'était tellement intriguant. On est du côté de Saint-Malo, Dinard, Fleursuit. Et c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de vestiges de guerre. Que ce soit des bunkers, des supports de tourelles et tout ça, il y en reste beaucoup. Et c'est vrai que c'est... Ah, ça attise la curiosité, tu vois. Bah, genre moi, j'adore les vidéos, tu vois, de Mamie Twink et tout ça. Je kiffe trop en fait. Et savoir ce qui s'est passé ici, tu vois, il a dû se passer des choses. Peut-être si ça se voyait que c'était un bunker qui est sous un petit peu une maison, tu vois, ouais. Et une belle bâtisse. Donc tu te dis, il y a peut-être des passages, il y a eu des passages, il y a dû se passer des histoires de ouf ici, tu vois. Grave. Ça va être incroyable de connaître ces histoires. Les lieux chargés en histoire comme ça, c'est fou. Ah mais c'est trop bien. D'ailleurs, à aller le voir, la vidéo de Blouson au Sommet qui a été visiter une prison de ouf en Guadeloupe. C'est incroyable. Incroyable. Et enfin, tous ces sites chargés en histoire comme ça. C'est pour ça que c'est ce qui nous attire aussi dans l'urbex, c'est le côté qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, est-ce qu'on peut raconter une petite histoire avec. Carrément. C'est trop cool. C'est plus que le côté ouais, c'est joli qu'il y a un endroit, un bâtiment qui a été construit abandonné, mais qu'est-ce qui s'est passé là, tu vois. C'est ça. Ça résiste. C'est vraiment trop joli comme endroit. Je vais essayer de pas mourir là, pas glisser. Assassin de la police. Ouh, ouh. Assassin de la police. Ouh, ouh. Non mais Antoine, t'as pas compris la blague. C'est parce qu'il y a du ou. Hein, Antoine? Antoine, dis pas tes blagues. C'est parce qu'il y a du ou. Mec, il y a moyen de faire des trop belles photos là. Ouais. Tu filmes ou pas? Ouais. Je vais faire une dinguerie. C'est sympa ça comme petite maison. Mec, c'est féerique. Avec tout grand. 5 étoiles. Ça pue hein. Et le petit lavoir à pied là-bas. Tu me mets comme ça en mode. Beau gosse. Hey, beau gosse. Quel beau gosse. Et j'ai mis qui? J'ai mis qui? Quel beau gosse. Rimena. Allez vous abonner à son Instagram. Beau gosse. Beau gosse. Beau gosse. Beau gosse.
Bon, il y a la branche qui est cachée. La branche, elle nous gênait. Du coup, on l'a juste coincée là, comme ça. À donc, tout moment, elle se décoince et je me la prends en pleine gueule. Je crois que j'ai fait une catapulte là, en fait. Une catapulte à Antoine. À tout moment, ça se lève, ça fait chpouah. À un moment donné, on casse pas les arbres ici. On fait des photos, mais tout en respectant la nature. Bon, on en est où là? Sur l'appareil, petit nouveau joby. Hop, toujours le micro et l'appareil qui marche pas. Bah oui, on a un problème de matériel, ça change pas. On n'est pas trop mal, il nous manque la mise au point et puis on va être bon. Vite, ça clignote. Je suis même pas sur la photo. Non. T'as mis combien de temps, tout le monde? La meilleure. Incroyable. Elle est incroyable. Ben voilà, c'est ça qu'on veut. On avait dit qu'il fallait qu'on s'entraîne à la photo, qu'on fasse des photos. Et bah ben, c'était la bonne occasion de faire la petite balade là. Paye pas de mine. Tout à l'heure on est allé par là. On a vu, à part la petite maison qui était très jolie et le puits qui était là. C'était peut-être pas un puits, c'était peut-être ça la fontaine. Ah ouais. C'est pas profond qu'on puits. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dès demain pour un prochain épisode du One Vlog. En attendant, abonne-toi sur cette chaîne YouTube. C'est une vidéo par jour pendant un an. Donc tu manques pas de contenu à regarder. Il se passe plein de choses. On fait aussi de la réalité virtuelle, de l'impression 3D. Donc plein de choses qui sont aussi très intéressantes.